Je vais vous présenter le Clombo géant sur le Lego de Fortnite et je vais vous présenter l'emplacement du Clombo endormi. Donc ici, vous pouvez voir qu'en face de moi, j'ai un Clombo géant. Donc il y a plusieurs petites informations avec ce Clombo. C'est que si vous lui donnez à manger, bah, il va être content. Ah merde, je me suis trompé là. Je lui ai envoyé une torche. Je vais lui envoyer un Clombé et vous allez voir, il va l'aspirer. Il va être content, ça fait rien de spécial, hein, mais c'est juste pour le fun et pour l'animation. Après, vous pouvez donner d'autres choses. Regardez là, il va cracher quelque chose. Ok, donc vous lui donnez des clombés et lui vous donne de la cajou, plus de l'essence et carrément de la diaphanite. En vrai, c'est plutôt pas mal hein, pour farmer les ressources. Vous lui donnez plein de bouffe et lui vous donne des ressources en échange. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné cette fois-ci? Alors, il m'a donné de la cajou encore une fois. Et là, il m'a donné de la glande puante. Ok, c'est pas mal. Alors, il y a une autre information aussi. Regardez, si vous faites une petite émote, normalement, il devrait danser avec vous. Regardez, vous voyez? Il est trop mignon, en vrai. Trop stylé. Alors, autre chose aussi, si maintenant vous arrivez à capturer un Clombo et que vous à chevaucher un Clombo et que vous l'amenez près de lui, vous allez voir ce que ça va faire. Et voilà, on amène le petit Clombo vers le parent. Et regardez. Regardez bien. Là, le Clombo, il va être content. Après, je sais pas si je dois descendre. Je crois que je dois descendre. Ouais, je vais descendre. Et regardez. Là, il est comme un tout petit enfant. Là, il est tout content de voir sa maman ou son papa. Oh, je sais pas trop. Regardez, il remue la queue et tout. Ah là là, c'est trop mignon. Sinon, on fait rien de plus. Après, vous pouvez aussi donner plein de choses hein, au Clombo, genre des armes, des objets, enfin tous les objets que vous pouvez donner, vous pouvez. Le Clombo va les aspirer, va vous donner des trucs en échange. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment certains combos qui vous donnent certaines choses légendaires ou je ne sais pas. Peut-être ou peut-être pas. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais je sais que si vous essayez de donner par exemple des objets légendaires. Comme le sabre laser, là, il ne l'aspirera pas. Donc, il n'aspire pas tous les objets, mais il aspire pas mal de choses. Alors, par contre, maintenant, pour le Clombo endormi, parce que là, c'est celui qui est animé et qui est réveillé. Donc, ah oui, pour le trouver, celui-là, vous allez devoir tout simplement aller dans les îles perdues et chercher dans les grands lacs, comme vous voyez ici. Donc, moi, il était sur la deuxième île. Ici, sur l'île principale, j'ai un grand lac aussi. Mais je crois qu'il n'y est pas. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer l'emplacement du Clombo endormi. Ah bah regardez, je l'ai aussi en fait. J'ai aussi le Clombo animé sur mon île principale. Je l'avais pas remarqué, mais ouais, je l'ai aussi. En fait, on le remarque facilement parce qu'il y a deux petits torches comme ça qui sont qui présentent l'emplacement du Clombo. Par contre, je ne trouve pas le Clombo endormi, donc ça c'est bizarre. Ok, c'est bon, j'ai trouvé l'emplacement du Clombo endormi. En réalité, regardez, ici, il y a trois, enfin, dans ma map, j'ai trois lacs. Donc, ce lac-là, il y a un Clombo animé. Ici, il y a un Clombo animé. Et là, en fait, il y a un Clombo endormi. Parce que, regardez, il y a une petite grotte. Et quand vous allez rentrer dans cette grotte, vous allez voir le Clombo qui se repose. J'avais oublié de préciser aussi le Clombo animé. Si vous lui tirez dessus ou vous l'attaquez, il va tout simplement disparaître et il va re-rentrer dans l'eau. Donc évitez de lui tirer dessus, ça ne sert à rien. Et après il reviendra, hein, même si vous l'attaquez, il reviendra plus tard. Par contre, regardez, là c'est le Clombo endormi. Lui par contre, on peut rien faire. On peut pas le réveiller. Il est tout simplement inactif. Il est juste endormi. On peut pas le déranger. Je vais essayer de l'attaquer pour voir. Ouais, regardez, je lui fais 0 de dégâts. Je le chatouille à peine. Il en a rien à foutre. Je vais essayer de lui donner de la bouffe pour voir, mais je pense que. Non, je pense que ça l'intéresse pas. Oh, ok. Essayer de lui lancer sur la tête. Ouais, non, il en a strictement rien à foutre. Donc voilà, ça, c'est des petits secrets qui sont liés au Clombo sur le Lego de Fortnite. Si vous en connaissez plus ou si vous en connaissez d'autres, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code créateur SCD.